Bonjour Yasmine Benzelmat, vous êtes conseillère régionale Île-de-France. Nous allons ouvrir ce café politique en essayant de mieux vous connaître, mais tout d'abord en parlant aussi de l'actualité, parce que vous étiez élu Front National et vous avez décidé de quitter ce groupe à la région pour vous rapprocher plutôt d'un mouvement peut-être, vous allez nous le dire, lancé par Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi quitter déjà ce groupe Front National à la région ? Donc bonjour Wilfried. Donc effectivement, j'ai quitté le groupe Front National à la région Île-de-France pour plusieurs raisons, pas seulement régionales, mais globales au niveau national, départemental et régional aussi, en matière de gestion humaine, de prise de position politique. Bon, on l'a vu dernièrement avec le débat de l'entre-deux-tours, c'est vrai que ça suscitait un peu de trouble vis-à-vis des militants, des sympathisants. Bon, on peut se dire qu'un débat, ça peut se rater. Mm-hmm. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que depuis ce débat, et même déjà avant, on avait une certaine instabilité au niveau des prises de position sur certains sujets. Et ça s'est accentué depuis ce débat, et puis les législatives qui ont suivi, puis l'impréparation pour les sénatoriales, on va dire. Voilà, je me sentais plus à l'aise dans ce groupe pour continuer à défendre les valeurs qui ont fait et les idées qui ont fait que je me suis engagée au Front National et que j'ai porté les couleurs du Front National à de multiples reprises et qui ont fait mon élection au Conseil Régional. Vous trouvez que le Front National aujourd'hui penche trop à gauche ? Oui, effectivement. Alors, on pourrait se dire que non, puisque les discours depuis le départ de Florent Philippot sont plutôt à droite, mais pour moi, on a de nombreux signes intérieurs comme extérieurs qui montrent qu'en fait, finalement, ce sont des postures et que finalement, le Front National reste à gauche. En fait, pour moi, tant qu'il y avait un certain équilibre entre Marion Maréchal Le Pen et Florent Philippot, qui était assuré par Marine Le Pen, et ben, c'était super, tout le monde était content. Effectivement, j'avais un peu plus de sensibilité vers Marion, mais le combat était le même pour tous, et c'est Marine qui portait très bien cette synthèse des deux sensibilités. Petit à petit, le déséquilibre s'est accentué. Il y a eu beaucoup de départs. Aussi bien au niveau national qu'au niveau départemental aussi. Hein. Et on a bien eu le départ de Florian Philippot, mais finalement, Florian Philippot n'était pas seul dans la décision de la ligne politique du Front National. Donc je trouve ça un peu facile de critiquer celui-ci alors qu'on garde finalement les mêmes personnes. Pareil, on parle de refondation. Bon, personnellement, je suis sceptique. Après, mon objectif, c'est pas de dénigrer le Front National. Je suis contente d'y avoir fait un bout de chemin. J'ai rencontré des personnes formidables maintenant je voudrais effectivement évoluer un peu plus pour une sorte d'ouverture à droite. Oui, on parle du mouvement lancé par Nicolas Dupont-Aignan. Oui, qui s'appelle Les Amoureux de la France. Les Amoureux de la France. On retrouve aussi Jean-Frédéric Poisson. Oui, Jean-Frédéric Poisson qui avait été candidat à la primaire de la droite et qui est un ancien député des Yvelines. Oui, alors pour l'instant, là, je prends mon temps. Je viens de quitter un groupe dans lequel j'ai fait un parcours assez long. Je prends le temps de poser les choses parce qu'il ne s'agit pas d'agir dans la précipitation. Il ne s'agit pas non plus de quitter pour rallier tout de suite quelqu'un ou de me mettre sous l'aile de quelqu'un. Nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer avec tout le monde, faire que nos valeurs soient le plus fortes possible et vrai pour la France et pour les Français. Pas la seule à avoir quitté le groupe Front National à la région. Vous êtes trois élus à avoir décidé de. Alors, est-ce que c'est mettre en parenthèse justement ou claquer la porte ? Parce que le Front National, vous pourriez y retourner ou pas du tout ? Ou là, la cassure est vraiment irrémédiable ? Je pourrais continuer à dialoguer avec le Front National, mais y retourner, non. C'est clair ? C'est net ? C'est clair, c'est net dans ma tête. Ouais. Je regrette pas mon choix. Je suis, j'avais des désaccords à la fois sur les méthodes et sur la ligne politique. Ça n'empêche qu'il y a des gens formidables et que, pour ma part, je pense que je serai plus utile. Enfin, je me sens plus utile en dehors pour continuer à défendre mes valeurs. Au cours de cette émission, nous revenons principalement sur le parcours politique des élus. J'aimerais qu'on prenne le temps, pardon, de parler de vous. Vous avez 35 ans, vous êtes d'origine marocaine. Pourquoi avoir rejoint le Front National ? Ben alors,
Je suis d'origine marocaine et espagnole, oui. Mais peu importe, avant tout, je suis française, en fait. Mmh. J'ai la chance d'avoir grandi et d'avoir fait mes études dans un beau pays, d'avoir donné la vie aussi à trois beaux enfants. C'est la mère qui parle. Au-delà de juste profiter du confort et de la sécurité qu'apporte ce pays, j'ai envie de pouvoir le transmettre à mes enfants. Et plutôt que de rester, et aux générations à venir aussi, hein, bien sûr, plutôt que de rester passive et de regarder dans mon coin ce qui me semble être des échecs politiques pour la France depuis des années, j'ai choisi de rejoindre le Front National qui, effectivement, n'est pas le choix le plus conformiste. Mmh. Mais justement, ça me semblait être le choix le plus juste pour défendre la France, les valeurs de la famille également, la méritocratie, et puis un certain équilibre entre, comme on parlait, d'État stratège, c'est-à-dire que l'État qui sert de tremplin au plus faible, pas qu'il est cocoon, enfin qu'il leur donne tout servi sur un plateau, mais quelqu'un qui sert à promouvoir, à aider face à la concurrence très forte des grands groupes et maintenir un tissu social. Donc voilà, j'ai adhéré en 2011 le Front National et j'ai commencé à m'impliquer pendant la campagne des municipales en 2014 à Vélizy. Et vous parliez de la famille tout à l'heure, comment votre famille l'a perçu cet engagement, je reprécise, au Front National, parce que oui. Ce n'est pas anodin finalement comme oui, parti politique. Oui. Ah bah, c'est sûr que le choix a surpris et dérouté quelques membres de ma famille. Après, j'ai expliqué mes choix et finalement, une fois que c'est argumenté et qu'ils voient, enfin, j'ai bien vu de l'intérieur qu'on est bien loin des stéréotypes mmh. dont on a l'image à l'extérieur. Il y avait l'image aussi des dérapages de Jean-Marie Le Pen, par exemple. Ça ne vous a pas effrayé au moment de rejoindre le Front National ? En fait, j'ai rejoint en 2011, donc c'était déjà Marine Le Pen qui avait pris les rênes du parti. Oui, il y a des dérapages, mais il y en a dans tous les partis de toute façon. Et je les condamne, hein, mais le combat, ça fait très, très agressif. Enfin, disons, la défense de nos valeurs, il faut savoir dépasser un peu nos différences et aller au-delà dans le sens, bien sûr, pas à contre-courant de nos idées non plus. Alors, vous déplorez la décroissance de la France, un laxisme judiciaire, une immigration non contrôlée, on ne sait plus qui rentre, qui sort, c'est ce que vous dites, un système éducatif nivelé par le bas, c'est ce que j'ai lu sur les différentes interviews en préparant cet échange. Pour vous aujourd'hui, et avec l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que les choses ont un peu évolué ? Alors, c'est vrai que les annonces de M. Blanquer sont plutôt saluables, enfin, comment dire, et salutaires. On attend bien sûr de voir la concrétisation, mais c'est déjà un pas par rapport à ce qui était fait dans les précédents gouvernements. Pour ce qui est du travail, de la santé, de la sécurité, pour l'éducation, visiblement, ça a l'air d'aller dans le bon sens, mmh. et tant mieux. Hein, je suis pas là pour si le ciel est bleu, je vais pas dire que le ciel est noir parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Hein, par contre, on reste vigilant parce que effectivement sur la loi travail, etc., on partage pas tout à fait la même vision. Donc plutôt que juste critiquer, moi ce que je veux et puis mes collègues qui ont quitté le groupe avec moi, ce qu'on veut c'est vraiment essayer de permettre le dialogue et puis d'aller dans le sens. Effectivement, il y a l'initiative des amoureux de la France. Il n'y a pas que les amoureux de la France et pourquoi pas. Enfin, l'objectif, c'est pas de multiplier les paroisses. Mmh. C'est vraiment d'essayer de s'unir tous ensemble et d'être à l'écoute de tous pour aller vraiment dans le bon sens, quoi. Parce que tout le monde veut aller on est plusieurs à vouloir aller dans le même sens, mais chacun a son parti, chacun a sa paroisse, et du coup finalement on est inaudible au niveau des élections on pèse rien. Donc l'avenir politique pour vous, vous le voyez comment justement? Vous avez été candidate aux législatives aussi, donc vous êtes élue à la région. Vous vous projetez sur les prochains mandats, les prochains combats? Alors pour les municipales, j'espère pouvoir constituer une liste de
de tous les bons, toutes les bonnes volontés pour la ville de Vélizy. Après, ma foi, pour le reste, oui, bien sûr, si j'ai la possibilité de continuer à défendre dans un mandat régional ou dans un autre mandat mes valeurs et mes idées, je le ferai. Mais pour moi, la politique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de porter nos idées. Après, en même temps que mon mandat d'élu régional, je conserve une activité professionnelle et ça me permet de, on va dire, garder la tête froide et les pieds sur terre. Et donc, si ma foi, ma carrière politique s'arrête à la fin de mon mandat régional, eh ben, je reprendrai une vie privée et puis essaierai quand même de peser à travers des associations ou je ne sais quoi. Vous arrivez à conjuguer les deux, la vie professionnelle et la vie politique? Alors, vous êtes cadre analyste financier, c'est ça exactement. Ouais. Donc, c'est un planning très chargé, ça demande beaucoup d'organisation, d'autant que j'ai 3 jeunes enfants également. Mais c'est cette motivation et puis c'est justement ces enfants qui me donnent cette énergie pour combiner tout ça. On va arriver à la fin de cette émission, le même questionnaire que pour tous les élus qui viennent ici. Votre livre de chevet? Petite histoire de France. Le dernier film que vous ayez vu? Oh Je sais plus. Ou alors votre film préféré peut-être? La vie est belle. Et une dernière question, votre style musical peut-être préféré? Alors j'aime bien la variété française, les années 80. C'est vrai que c'est une période où on avait énormément de choix. C'est une période qui a marqué et qui réunit toutes les générations. Et puisqu'on parle musique, justement une dernière question. La présidente du Front National qui s'est vue interdire l'accès aux obsèques par la famille de Johnny Hallyday, ça vous a choqué? À la fois, je trouve que de le communiquer comme ça, que ce soit de la part de la famille ou de la part de Marine Le Pen, oui, c'est regrettable, je trouve. Parce que c'est un événement qui touche toute la France et tous les Français. Et qu'on interdise comme ça, je trouve ça pas très glorifiant. Et je trouve ça un peu de l'instrumentalisation politique. Après, ma foi... si c'est le choix de la famille, on ne peut pas aller à l'encontre. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a respecté ce choix, tout en regrettant qu'on la refuse de cette manière. Merci Yasmine Benzelmat, conseillère régionale d'Île-de-France, d'avoir participé au Café Politique.